Alors bonjour, est-ce qu'il y aurait des esprits qui souhaitent communiquer avec moi maintenant à travers la planche de Ouija? Je vous invite à me rejoindre si vous souhaitez communiquer avec moi. Je ne veux pas vous faire du mal. Je voudrais juste essayer d'établir une communication avec vous. Vous poser quelques questions pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe après. Si vous ne souhaitez pas communiquer avec moi, ce que je peux comprendre, vous pouvez diriger la boule vers le mot fin, je comprendrai. Prenez plus de force, plus d'énergie si vous en avez besoin, dans les appareils ou dans mon énergie personnelle. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes un homme? Oui, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous êtes décédé? Deux, ensuite. Trois. Vous avez 23 ans, c'est bien ça? Oui, d'accord. Est-ce que vous me permettez, est-ce que je peux vous tutoyer? Vous dire tu? Oui, d'accord, merci, c'est gentil. Donc, est-ce que tu pourrais me donner ton prénom, s'il te plaît? R, d'accord, la suite. RQ.
QL. RQL, c'est ton prénom? D'accord. Donc, RQL, enchanté. Moi, je m'appelle Ellie. Est-ce que tu as vécu dans ce village à Beuré-sur-Sault? Oui, d'accord. Est-ce que tu es conscient de que tu es décédé? Est-ce que tu sais que tu as quitté ton corps physique, que tu es passé de l'autre côté, peut-être? Oui, d'accord, merci. Est-ce que tu pourrais me dire en quelle année tu es décédé, s'il te plaît? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et le zéro est normalement juste à côté du... Ah non, le zéro est à côté du un. Voilà, c'est bien, tu as pris conscience des nombres, donc de 0 à 9. Grâce à ces nombres, tu pourrais me dire ton année de décès, s'il te plaît. Donc 1, 1000, 1700, 1, 7, 6, 1764, d'accord. Est-ce que ça te fait plaisir de pouvoir un peu communiquer avec moi? Déjà, est-ce que tu, quand on est décédé, est-ce qu'on ressent une, est-ce qu'on ressent le plaisir? Est-ce qu'on ressent le plaisir? Par exemple, le plaisir de parler avec quelqu'un? Je sais, je suis pas clair dans ma question. Mais est-ce que quand on est décédé, donc quand on quitte notre corps physique, est-ce qu'on ressent encore des sentiments? D'accord, tu souhaites mettre fin à la communication. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'avoir répondu à mon appel, d'avoir répondu à mes quelques questions. Je t'en remercie sincèrement. J'espère que cela t'a fait plaisir de communiquer avec moi, comme moi j'ai pris plaisir à communiquer.
avec toi. Je te souhaite de trouver la paix, de reposer en paix. Et pour conclure et te laisser repartir d'où tu viens, je vais placer la goutte vers le mot fin. Quand la goutte sera sur le mot fin, tu pourras repartir d'où tu viens et la communication sera finie. Merci encore, FLQ, FQL, désolé. À bientôt, peut-être. Sois en paix. Si tu es encore là, j'aurais une dernière question à te poser. Je voudrais savoir si tu as besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Est-ce que tu veux que je te donne quelques conseils pour passer de l'autre côté, pour commencer une nouvelle vie? As-tu besoin d'aide? Oui, d'accord. Donc, là où tu es, est-ce que tu vois une lumière blanche? Oui, d'accord. Donc cette lumière blanche, c'est ce qu'on appelle un chemin de lumière. Il ne faut pas que tu aies peur de cette lumière blanche. Dirige-toi vers cette lumière blanche. Ça veut dire que tu es prêt à commencer une nouvelle vie, à passer de l'autre côté pour être enfin en paix et commencer une nouvelle vie. Va dans la lumière blanche, ça ne te fera pas de mal, ça ne te fera que du bien. Je te souhaite d'être heureux dans ta nouvelle vie. Merci beaucoup. La communication est terminée. Sois heureux dans ta nouvelle vie, n'aie pas peur de la lumière blanche. Au revoir.